3 moun mouri ak plusieurs autres blessés. C'est bilan yon attaque bandi rive fè nan cité a nan l'idée pou simè la troubaille et puis bouye pis la police pour empêcher yon gen contrôle base la kap feraye nan commune Cité Soleil, même si moun yo talonge douette sous chef gang Fortourou qui derrière zak criminel sa yo. Et puis, dans la carrière, nous avons examiné la psychique à bon motocyclette, braqué plusieurs cambises pour aller tout comme quitter sous yon sans aucun cœur sauté. Cependant, tout le monde a assisté à ce qui a passé sans aucun problème. Bandi a pris la route nationale là pour yon et puis pour aller valise l'agent cambisier. Depuis ville à Kayen, Paul Edouard Eloi a dit nous plus sur ce qui a passé dans la cité drapeau. 4 individus qui tapent circuler sur motocyclette, cambriolé, examen dans mes 3 cambis. Action ça a passé lundi après-midi dans ville Akaye. Yon victime yon fait konnen, ça fait 3e fois yon action kon sa rive. Li mande la police pour prendre responsabilité. Pendant que m'ta parlé avec l'autre, même cambis va avec moi, pou yon la, mais l'autre place mwen passe à moutere sou kade contribution, pou yon passe par les nous. Yon m'a contrôlé, même te campé, kon batte la même. Même côté, yon les amènes, yon batte en balle valise là. Yon m'a mal de gasse, yon parle, non, soit yon m'a petit yo. Yon m'a même côté, yon m'a campé, yon m'a campé, yon m'a pour bon moi. Yon m'a pris une balle comme là, mais c'est quoi qui te campé de l'homme, yon m'a battu ça. Quand même, si une balle comme là, yon m'a vu, yon m'a battu, yon m'a baissé, yon m'a repris mon tour. Mais next à vous dites c'est ce mot de l'eau. Pour yon bay manje. Yon gros scandale a pété dans l'institution PNH là. Après yon rapport fin prouvé, c'est corruption totale ak pillage en dan administration. Côté yon constaté, un pile kob qui dépensé par rempli norme à condition Jean sa mandé. Cependant, maître Madissé, membre FJKL là, prouvé yon forte somme l'agent américain mal dépensé. Pendant ce temps, la police là toujours tout tourni et même la guerre charge ça passé dans le village de Dia sous ton administration. N'a pas rappelé, l'agence a détourné sous administration Michel-Ange Généon qui baille en pile doute sous ça passé en dans PNH là côté ces corruptions totales, l'agent cap gaspillé en pile cob dépensé dans libre. Diego Charles a présenté nous un reportage sous quantité l'agent qui fait fond en dans institution ça sous administration Michel-Ange Généon. Dépenses qui fait en la police là pendant Michel-Ange Généon dans la tête police nationale là pas respecter loi et principe sous comptabilité publique yo d'après Fondation Géclairé qui présente une analyse rapport audit CSCC a fait sous gestion 10e directeur général la police là. La Cour a dit découvrir plusieurs faits qui montrent qu'il y a un gros doute sur l'effectivité des dépenses qui ont totalisé 30 milliards de gourdes, qui est égal à 500 millions de dollars américains. M. Samuel Madistin, c'est président du conseil d'administration FJKL. La Cour a constaté qu'il y a des acquisitions qui sont faites, des bagages qui sont achetés, tant que vous n'avez pas de fiches de livraison, vous faites des missions sans rapport de mission. Yo payé des cobs sans payroll. Mais Samuel Madistin critiqué peut-être le dit, l'agence a dépensé, mais le power qui n'a résultat. Li fait remarquer, si tu as une plus bonne gestion, 500 millions de dollars américains, tu as pu contribuer à l'amélioration de la situation sécuritaire du pays, l'être le tap améliorer les conditions de travail policiers. Dans tous les pays du monde, un demi-milliard de dollars, c'est de l'argent. Or, pour quel résultat, quelle performance, l'en garder pour nous aujourd'hui, la police, la capacité d'intervention, comment la police est très faible, côté insécurité en validité. Bagay qui passe 12 mars là, ça t'a jamais arrivé si t'es bon unité dangereux solide dans la police. J'ai ce Michel-Ange Généon tellement catastrophique, mais m'a dit même demandé est-ce que gestion financière PNH là pas gagné un gros impact sur la situation sécuritaire pays là? Est-ce que pas une relation entre gestion financière la police là et question sécurité pays là? Parce que nous rendons compte de 30 milliards de gourdes pendant 3 ans. Comment fait que vous avez tant d'argent à dépenser au niveau de la police pour très
peu de résultats. Quand on a dépensé 10 à 20 millions de dollars américains pour nous renforcer la police là, et puis je dis à mon bon problème de gain, d'un coup kidnapping, d'un coup zone de non-droit, la police des côtés ne pas arriver, pas d'après ça. Face à cette situation, ça, FJKL mandé pour écarter le directeur général de la police avec l'autre responsable de la police là, dans sa gain pour la gestion financière institution, mais plutôt pour créer une entité indépendante dans la police là qui place en bas l'obédience au ministère des Finances pour capable gérer l'argent de la police là. L'ol référé sous loi 29 novembre 1994 qui parlait sous création, organisation à fonctionnement police nationale d'Haïti a SKL dit constater PNH a failli avec mission. Responsable service relations publiques dans niveau organisation cap défendre droit Mounsa Jacques Charles dit noter inspection générale police nationale là pas fait travail dans toute indépendance li. Yon situation qui entrave activité inspection générale PNH là. Selon sa responsable l'a dénoncé. Inspection générale là, il s'est une section de la police là qui sans pouvoir parce que quelque part, il y a une capacité pour mener des enquêtes sous des policiers qui a commettre des bévues, alors que l'elle mène enquête ça, il est capable acheminer enquête là dans la direction générale de la police nationale d'Haïti. Directeur général là suivant relation avec policiers ça, un bel cas décidé pas prendre sanction contre policier. Concernant incapacité autorité de la police ça pour freiner machine sécurité dans le pays, SKL dit quoi que situation ça lié le fait PNH a fait face à problème effectif. Au exemple très simple, suivant rapport BINU qui était sorti le 4 mars 2020, gagné 1572 policiers en décision ça. Nous nos situation côté même effectif ça qui très mec d'ailleurs, il a pas capable mobiliser pour garantir sécurité dans la vie nationale là. Police nationale là, il pas respecté normes internationales en matière de sécurité. Politisation PNH a représenté un gros handicap pour bon fonctionnement institution la police là et c'est ça directeur exécutif SKL la révérend Père Gadi Maisonneuve dénoncé. Un directeur général la police ta doit passer devant Parlement pour légitime. Nous pouvons regarder Normé Lamo et Léon Charles. Le dernier, on pas gagné devant Parlement que vous passez. Et dernier date là, c'est Léon Charles. Il était un représentant gouvernement et OEA. Donc, on pas qu'à dire si monsieur pas venu faire travail gouvernement. Ça veut dire police nationale là, naturellement politisée dans ce sens. Mauvaise condition sociale et économique, agent PNH là. L'ouvri route pour corruption en la police nationale là. Policier arrivé, il tombe bay moun ki nan tête li a mandé je dis à bagay corp, il tombe bay moun contravention sans problème, arrêté moun pour ka fè corp. Pour qui ça? Parce que conditions sociales économiques li pas garanti. L'autre bagay, policier yo vive même côté à bandia. Parfois bandia mène une plus bonne vie passée. Révérend Père Gadi Maisonneuve dénonce tout le fait madame policier qui mouri dans exercice fonction yo a subi harcèlement dans l'institution de la police là. Un policier qui t'a travaillé mouri, madame Nandé Chekli, n'est qui pour bâcher quand dit, ah, n'est pas mouri, vous n'avez pas sorti avec Pito, et puis vous avez garanti ça. Mes amis, qui esprit de corps, qu'on gagne, demain ou même tout qu'à mourir, et je suis sûr qu'on prend satisfait que vous dit madame Moussa. SKL recommandé pour autorité dans l'état où travaille vite pour attaquer problème grave, police nationale l'a confronté.